Sunday Night Production. Imaginez un athlète au sommet de sa gloire. Chacune de ses victoires est célébrée par des millions de fans à travers le monde et son nom est synonyme de combativité et d'abnégation. Mais que se passe-t-il lorsqu'une étoile brillante chute brutalement du ciel ? Dans cet épisode, nous allons vous plonger dans l'incroyable histoire d'Oscar Pistorius, un champion olympique qui est passé en une nuit du statut d'icône du sport à celui de criminel. Le monde de la course à pied recèle d'événements fascinants et spectaculaires. Chaque vendredi, du 1er au 29 mars, plongez au cœur des histoires qui ont profondément marqué le running. Alors ajustez vos écouteurs et préparez-vous à être surpris. Bonne écoute! Oscar Pistorius voit le jour le 22 novembre 1986 à Sandton, une banlieue huppée de Johannesburg, en Afrique du Sud. Malheureusement, il vient au monde sans péroner, une condition qui l'a conduit à l'amputation de ses deux jambes avant même son premier anniversaire. Mais loin de considérer cela comme une fatalité, ses parents, Henk et Sheila Pistorius, décident d'élever Oscar comme n'importe quel autre enfant, sans mettre l'accent sur son handicap. Pour eux, il est tout simplement leur fils, capable de réaliser tout ce qu'un autre enfant pourrait accomplir. Animés par une solide éthique de travail, ses parents inculquent à leur enfant la conviction que tout est possible avec effort et détermination. À l'école, la mère d'Oscar veille à ce qu'il s'engage dans un maximum d'activités sportives. Pour elle, il est hors de question que les professeurs privent son enfant de sport. Il pratique donc le rugby, le tennis et même la lutte. Et Oscar est polyvalent, agile et très apprécié de ses coéquipiers. Mais après une blessure survenue lors d'un match de rugby, il décide de se tourner vers l'athlétisme et il tombe tout de suite amoureux de ce sport. C'est la naissance d'une passion qui ne le quittera plus. Malgré son handicap, l'enfance et l'adolescence d'Oscar est quasiment idyllique, jusqu'à un événement tragique qui va profondément changer son existence à tout jamais. En 2002, Sheila, la maman d'Oscar, doit subir une intervention médicale bénigne. Mais à la suite d'une erreur médicale, elle fait une réaction allergique à un traitement qu'elle n'aurait jamais dû recevoir. Sheila Pistorius ne reviendra jamais de l'hôpital et laisse derrière elle ses enfants et son mari. Oscar n'a que 15 ans quand il perd sa maman, et cette disparition va profondément le marquer. Avant de mourir, Sheila lui a écrit une lettre spécialement pour lui. Elle tenait absolument à lui rappeler à quel point il était spécial et capable de grands espoirs. Pour combattre son mal-être, Oscar cherchera à tout prix un exutoire, un moyen de canaliser sa douleur et la colère d'avoir perdu sa mère si jeune. C'est à ce moment-là que sa relation avec l'athlétisme va prendre une toute autre dimension. Il va s'investir à 200% dans ses entraînements. Chaque foulée, chaque goutte de sueur devient une sorte de thérapie silencieuse et un moyen de rendre hommage à sa mère. À partir de ce moment-là, l'ascension d'Oscar dans le monde de l'athlétisme va devenir fulgurante. Les victoires vont commencer à s'enchaîner et s'accumuler. En 2007, sa renommée atteint un sommet lorsqu'il décroche 2 médailles d'or au championnat du monde paralympique. Mais les réussites de Pistorius vont également commencer à créer quelques polémiques. Convaincu qu'il était capable de battre n'importe qui, il va tout faire pour participer au championnat du monde des valides. Mais son désir de s'extraire des championnats handisport va soulever énormément de débats au sein de la communauté sportive. Mais en 2007, il est exclu des championnats du monde d'Osaka. Heureusement, Pistorius obtient l'autorisation de participer à 2 meetings avec des athlètes non handicapés. Lors du meeting de Rome, il termine 2e d'une course B et il fait la une des médias internationaux. Ce qui suscite tout de suite une vague de réactions aussi bien positives que négatives. Face à la médiatisation planétaire de cette performance controversée, la Fédération internationale décide d'envoyer des délégués et experts sur place pour une analyse technique de sa performance. Et la question à laquelle ils doivent répondre est fondamentale. Ils doivent déterminer si sa prothèse en fibre de carbone lui donne ou non un avantage sur les athlètes valides.
Quelques mois plus tard, les experts rendent leur rapport. Et leur conclusion est claire. Ces prothèses confèrent à Oscar Pistorius un avantage notable rendant sa participation à des compétitions internationales inéquitable. Toutefois, Oscar refuse d'accepter ses conclusions et se met en tête de participer aux Jeux Olympiques de Pékin coûte que coûte. Avec la détermination qui le caractérise, il fait des tests supplémentaires par des chercheurs américains, indépendants de la fédération. Ces derniers invalident les conclusions initiales, soutenant que les prothèses ne lui offrent pas d'avantages significatifs. Avec cette nouvelle preuve en main, Oscar se tourne vers le tribunal arbitral du sport pour tenter un recours. Et ça marche. En 2008, le verdict tombe. Oscar Pistorius peut concourir aux côtés des athlètes valides. C'est une victoire pour lui, même si malheureusement, il n'arrive pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin à quelques secondes près. Cette polémique et sa capacité à courir avec des athlètes valides va considérablement accroître sa notoriété. En Afrique du Sud, il devient une véritable légende. Dans un pays encore en pleine guérison des cicatrices de l'apartheid, il incarne bien plus qu'un simple athlète. Il est devenu une icône nationale, symbole de résilience, et chacune de ses victoires est célébrée comme celle d'un peuple tout entier. En peu de temps, son visage s'affiche en une de tous les journaux. On le surnomme Blade Runner et son influence s'étend même bien au-delà des pistes d'athlétisme. Le point culminant de sa popularité survient lorsque le prestigieux magazine GQ le couronne en tant qu'homme de l'année. C'est simple, il devient l'un des athlètes les plus bankable de sa génération, surpassant presque la légende Usain Bolt. Il signe même un contrat de longue durée avec Nike pour un montant encore jamais négocié dans l'histoire de l'athlétisme. Au-delà de ses prouesses athlétiques, Pistorius semble s'épanouir dans le monde du show business et des célébrités. À plusieurs reprises, il est aperçu en compagnie de mannequins et il se crée petit à petit une image du playboy sportif charismatique. En 2012, il fait la rencontre de Riva Steenkamp, une mannequin en fin de carrière qui est en pleine reconversion en tant que présentatrice télé. Très vite, ils deviennent inséparables. Ils s'affichent ensemble lors d'événements mondains et sur les réseaux sociaux. La beauté éblouissante de Riva, combinée à la notoriété d'Oscar, en fait l'un des couples les plus médiatisés du pays. Il faut savoir que Riva était bien plus qu'une simple mannequin. Diplômée de droit, elle était militante contre les violences faites aux femmes et avait l'intention d'utiliser sa notoriété et ses compétences d'avocat pour sensibiliser à cette cause et défendre les femmes victimes de violences conjugales en Afrique du Sud. Mais cette relation passionnelle, en apparence idyllique, va très vite battre de l'aile. En quelques semaines seulement, Oscar passe du gentleman attentionné et attentif au petit copain particulièrement jaloux et possessif. Son oppression est telle que Riva décide de mettre un terme à leur relation seulement 3 mois après l'avoir rencontrée. Le 14 février 2013, jour de la Saint-Valentin, elle lui annonce son intention de mettre fin à leur histoire aussi passionnelle que courte. Mais cette décision, qui devait la libérer de cette relation toxique, l'a au contraire condamnée. Car cette nuit-là, la luxueuse demeure d'Oscar, à Pretoria, a été le théâtre d'une tragédie. Tout commence par une dispute, qui devient suffisamment intense pour alerter les voisins qui entendent des cris de femmes venant de son appartement. Selon la version des enquêteurs, la dispute aurait atteint un point culminant lorsque Riva se serait réfugiée dans la salle de bain, verrouillant la porte pour se protéger. Peu de temps après, 4 coups de feu résonnent dans la villa. Riva est touchée et elle décède peu après. Mais Oscar présente quant à lui une version très différente des faits. Selon lui, en pleine nuit, il aurait entendu un bruit venant de la salle de bain, le faisant croire à un cambriolage. Pris de panique et vulnérable sans ses prothèses, il tire à travers la porte croyant éliminer une menace. Quelle ne fut pas son horreur lorsqu'il réalise que la personne derrière la porte était en fait Riva, sa bien-aimée. Dès le lendemain, cette tragédie fait la une des journaux du monde entier. Un héros national, champion paralympique, est soudainement plongé dans un drame mortel.
Très vite, tous ses sponsors envoient des communiqués de presse dans les rédactions du monde entier pour annoncer qu'ils mettent immédiatement fin au contrat qui les lie avec le champion du monde. Nike arrive de justesse à retirer une publicité qui devait sortir seulement quelques jours plus tard. Une pub tragiquement prémonitoire puisqu'elle représentait Oscar en pleine impulsion dans les starting blocks avec la légende « I am the bullet in the chamber »,« Je suis la balle dans le barillé ». Oscar se retrouve donc seul, sans presque plus aucun soutien. Pour les journalistes, cette nuit du 14 février 2013 reste un mystère et les détails exacts de ce qui s'est réellement passé sont connus uniquement par les murs de cette maison et Oscar Pistorius lui-même. Ce sera donc au tribunal de trancher. Le procès d'Oscar Pistorius débute le 3 mars 2014 et met à jour des aspects très sombres de la vie d'Oscar, jusqu'alors inconnu du grand public. Les enquêteurs n'ont pas tardé à plonger dans le passé du champion déchu, révélant une personnalité complexe marquée par des épisodes de colère et de possessivité. Ses nombreuses ex-petites amies sont entendues et leurs témoignages ont peint le portrait d'un homme souvent impulsif et menaçant. Plusieurs d'entre elles ont même évoqué des altercations verbales et physiques, ainsi qu'une fascination d'Oscar pour les armes à feu. Ces éléments, ajoutés au fait qu'il a déjà utilisé son arme en public à la suite d'un différend avec l'ex-copain d'une ancienne petite amie à lui, sont accablants. Après de longs mois de procès, le juge rend enfin son verdict en septembre 2014. Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire, mais a été acquitté du meurtre avec préméditation. Il est donc condamné à 5 ans de prison, une peine jugée bien trop clémente et très loin des attentes de la famille, des victimes et de l'avocat général. Presque un an après, en octobre 2015, c'est l'incompréhension et la stupeur générale. Après avoir purgé seulement un an de prison, Oscar est libéré en résidence surveillée pour bonne conduite. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En 2016, la Cour suprême d'appel décide de reviser cette décision, requalifiant l'homicide involontaire en meurtre. La Cour a en effet estimé que la juge en charge du dossier avait commis une erreur de droit en ne déclarant pas coupable de meurtre au départ, et cette décision a été revue par une condamnation de 6 ans de prison. Et ce n'est pas tout. En 2017, cette peine a été augmentée de 13 ans et 5 mois après que la Cour suprême d'appel a jugé que la peine de 6 ans était encore étonnamment clémente. La famille de Riva se dit enfin soulagée, tandis qu'Oscar crie à l'erreur et à l'acharnement judiciaire. Finalement, le vendredi 5 janvier 2024, l'ancien athlète paralympique de 37 ans a été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. La famille Steenkamp ne s'était pas formellement opposée à la libération conditionnelle de l'ex-champion. Mais la mère de Riva a affirmé à l'annonce de sa sortie de prison ne toujours pas croire en la version des faits d'Oscar et être convaincue que ce dernier ne s'est pas réhabilité en détention. Oscar Pistorius reste encore aujourd'hui sous la supervision d'agents pénitentiaires et doit respecter plusieurs règles, comme être présent à son domicile à certaines heures de la journée, l'interdiction de donner des interviews ou encore de consommer de l'alcool ou des drogues. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout les faits divers du running, une plongée au cœur d'une histoire inspirée de faits réels. Si cet épisode vous a plu, prenez un instant pour nous laisser une évaluation et quelques mots de soutien. Vos encouragements sont essentiels pour nous. Je suis Guillaume Santracchio, narrateur et auteur de cette histoire pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt !